Toute la foule est animée, tous les joueurs déterminés. Allez les high five, montrez-nous vos capacités. La foule est animée, tous les joueurs déterminés. Basket, êtes-vous vraiment prêt à remporter la basket? Êtes-vous vraiment prêt à remporter la basket? Notre équipe est une famille, faut gagner pour nos amis. Et la victoire nous anime, car on a peur de personne. Parfois l'espoir est fragile, on ne lâche pas, on agit. Car le basket est magique et on a peur de personne. Sur le parquet, prêt à gagner sous le panier, on a peur de personne. Êtes-vous vraiment prêt à remporter la basket? Puisque vous êtes de passage ici, ça nous ferait très plaisir de rencontrer les High Five. D'accord, Curly. On accepte de jouer un match amical contre les Océanautes. Génial, mec. Mes coéquipiers vont adorer. Et puis après le match, on pourra tous se détendre et profiter du soleil sur notre île. Ah, désolé, mais on joue contre les Black Pirates l'après-midi. Ah, pas cool. Les Black Pirates, c'est des malades. Ah, t'inquiète pas, on est au niveau. Ouais, ils sont trop nuls. Tant mieux, mec. Pour demain, rendez-vous à 9h au Quai Wakula. Et je viendrai vous chercher en bateau. Super, alors à demain. On va voir qui est nul. Les High Five vont adorer la petite surprise qu'on leur a préparée. Un petit séjour façon Robinson. Oh, bizarre. Qu'est-ce qu'il y a, Stella? Je n'arrive pas à trouver de statistiques sur les océanautes. C'est comme s'ils n'avaient jamais joué. On s'en fiche, c'est juste un match amical de toute façon. N'empêche, j'aimerais en savoir plus sur leur jeu. Ceux dont il faut vraiment se méfier, ce sont les Black Pirates. Rudy a raison. Connaissant Slim, il va sans doute nous tendre un piège une fois sur sa plateforme. Les autres ont trop hâte de vous rencontrer. Oh, hey, doucement, Mike. Désolé. T'aurais pas un peu grossi ces temps-ci? Tenez, tu viens pas avec nous? Je passe mon tour pour cette fois, mais je vous retrouve plus tard sur la plateforme. Vous êtes sûr que vous voulez pas venir? On a une super plage sur notre île. J'ai des choses importantes à faire. Et tiens, c'est pour toi. Si vous avez le moindre problème, utilisez cette fusée de détresse. Je viendrai vous chercher. Amusez-vous bien! Monsieur Parker, vous êtes prêt pour votre leçon de jet ski? J'ai hâte! Vous avez le choix. Dis donc, Curly, pourquoi je ne trouve aucune information sur les océanautes? Ah bon? Je vais en parler à notre manager. Hey! Terre en vue! Bienvenue sur l'île Robinson! Waouh! Oh, mais c'est magnifique ici! On se croirait dans une carte postale! Allez-y, j'amarre le bateau et je vous rejoins! Waouh! Mais c'est le paradis! Mais où est le terrain? Et l'équipe? Personne pour nous accueillir! Profitez bien du séjour! Oh. Hé, hey, reviens! Qu'est-ce que tu fais? Lucky! On s'est fait piéger! Vous avez le bonjour de Slim! Je vous ai bien vu! À mon avis, Slim nous a coincés ici pour qu'on rate le match. T'as raison, Stella!
Comme ça, les pirates gagnent par forfait. Encore un de leurs sales coups. On vient de se faire avoir une deuxième fois, les High Five. Comme l'année dernière, le jour de l'inscription à la Bass Cup. Et comme la dernière fois, on n'a pas de réseau. Oh, on est coincé ici. Pas de panique. J'ai quelques idées pour nous sortir d'ici. Léo, Mike. Attends, Stella. Pas la peine de t'emballer, y a rien de dramatique. J'essaie juste de trouver une solution. Ok, mais je gère la situation, regarde. Une fusée de détresse? Mais comment t'as eu ça? Tony me l'a confié avant de partir, au cas où on ait un problème. Et il t'a dit comment on s'en sert? Facile, je la pointe vers le ciel, j'enclenche ce truc et... Oh. Il y a peut-être un cran de sécurité? Non, touche pas! T'en as une autre? C'est ta faute, Stella! Ma faute? Je l'ai même pas touchée, ta fusée! Et c'est pas moi qui nous ai fait venir sur cette île, je te signale! Je sentais que ces océanautes avaient quelque chose de bizarre, mais t'as pas voulu m'écouter! N'importe quoi! Vous étiez tous d'accord! Ok, les amis, on garde son calme! Bonjour, l'ambiance! Alors maintenant, qu'est-ce qu'on fait? Madame, j'ai la solution à tout! Rudy, fais pas la tête, reviens avec nous! Mais pour qui elle se prend, Stella? Pour Madame, je sais tout! Réfléchis, Rudy! C'est exactement comme ça que Slim veut que tu réagisses! Hein? Il veut qu'on se dispute et qu'on reste bloqué sur cette île! Va dire ça à Stella! Elle essaye juste d'aider. T'es notre capitaine, n'est-ce pas? Ouais. Alors, si tu te comportais comme un vrai capitaine, en évitant les conflits. Alors, voilà par quoi on va commencer. Bon, je pense que vous devriez aller chercher de la nourriture. Il y a forcément des fruits, des noix de coco sur cette île. Bonne idée, je suis déjà affamée. Moi, je vais chercher de quoi faire un radeau. Je viens avec toi. Ah, t'es sûr? Ouais. C'est une bonne idée, n'est-ce pas, Stella? D'accord, on va faire le tour de l'île en partant par le sud. Voilà, ça c'est la bonne attitude. Le travail d'équipe. Et toi, Mia, tu vas faire quoi? Moi, je reste sur la plage et je garde un œil sur la mer, au cas où un bateau passe. Traduction. Je refais mon bronzage pendant que les autres travaillent. Oh oh. Non, mais je plaisantais, Mia. Reviens ici, tu vas voir. Attention, Monsieur Parker. Gardez bien l'équilibre. Je pense que ça devrait aller. C'est pas possible. Ça fait une heure qu'on cherche, on n'a pas trouvé le moindre fruit. C'est comme si quelqu'un les avait déjà tous ramassés. Qu'est-ce que je donnerais pas pour un bon poulet rôti? T'as entendu, Mike? C'est peut-être un singe. Un gros singe, alors? Pas bonjour, la perte de temps. Pas la moindre branche d'arbre. Je parie que Slim a déjà pris tout ce qui aurait pu nous servir. Peu importe, j'ai une meilleure idée. Et c'est quoi? On va faire un feu et envoyer des signaux de fumée. Et comment tu comptes le faire, ce feu? Bah, il suffit de frotter ces bâtons ensemble et... Tada! Ça fait du feu! J'aimerais bien voir ça. Vous voulez que je crame au soleil, hein, c'est ça? Vous pouvez me rendre ma crème solaire maintenant? Hein? Mais on l'a pas prise. Mais je l'avais posée à côté de moi et là, elle y est plus. Mia, on était en train de faire le tour de l'île. Tu l'as peut-être recouverte de sable? Ben voyons, parle. Rudy? Bon, ça prend juste un petit peu de temps. Et si on utilisait ma loupe?
Oui, c'est sûr, ça marche aussi comme ça. Lily en paix ! Lily en paix ! Au secours ! Wow ! On se calme ! Il y a des bruits bizarres ! Je suis sûre que Lily est truffée de bêtes sauvages et on n'a trouvé aucun fruit nulle part ! Hein ? Mais on est tombé sur une statuette trop flippante ! Quelqu'un habite ici ! Slim ! Si ça se trouve, c'est plein de cannibales ! Faut partir d'ici ! Étrange ! Pas de bois, plus de fruits et la crème de Mia qui disparaît. Mia ! Mia ! Mia ! Hé, oh. Oh. Me laissez pas tout seul ! Oh. Et oh ! Et moi non plus ! Attendez-moi ! Mia ! Elle a disparu ! Oh. Oh. Regardez, il y a d'autres traces de pas. Celle de Mia est une plus grosse. J'ai un mauvais pressentiment. Super, vous vous débrouillez pas mal. Je le sens bien. Je crois que j'ai chopé le truc. Je me sens stable. Ok, maintenant on essaye pour de vrai. Les traces s'arrêtent ici. On va se séparer. Mike et Léo, prenez ce chemin. Rudy et moi, on prend l'autre. Se séparer ? Pas question. T'as jamais vu de film d'horreur ou quoi ? Dès que les personnages se séparent... Ils se font attraper ? Un par un. Et elle passe pour la fille intelligente. Sauf qu'on est dans la vraie vie, les gars. On se sépare. Rendez-vous ici dans 30 minutes. Mia ! Où t'es ? Mia ! Où es-tu ? Oh, miam ! Hé, hey, Léo, regarde, un fruit, enfin. Toi, tu vas finir dans mon estomac. Ah oh oh. Parfait, maintenant accélérez progressivement. Et c'est parti. Oh, oh. Mia, tu m'entends ? Mia ! Je comprends pas. Elle s'est quand même pas volatilisée. Hé, hey Mike, j'ai trouvé quelque chose. On dirait de la crème solaire. C'est bien ça. C'est la crème solaire de Mia. Hein ? C'est Léo, hein ? Ça vient de là-bas. Regarde, sa casquette. Léo, Mike, Mia, où ils sont passés ? T'avais raison, Rudy. On n'aurait pas dû se séparer. J'aurais dû t'écouter. Non, c'est toi qui avais raison. Eh bien, capitaine, qu'est-ce qu'on fait maintenant ? On baisse pas les bras et on les retrouve. Ils peuvent pas être bien loin. Allons par là ! On va de ton côté. Chut. Attends un peu. On dirait la voix de... Mike et Léo. Et Mia est là aussi. Bien le bonjour. Vous en avez mis du temps. Ouais. C'est trop bien. Voici Tom. C'est lui qui a pris ma crème solaire. Et ramassé tous les fruits. Enchanté. Désolé de ne pas vous avoir salué plus tôt. Je croyais que vous étiez les Black Pirates. Enfin, jusqu'à ce que je rencontre Mia. Vous connaissez les Black Pirates ? Disons que je connais bien Slim. Un peu trop bien, même. Il n'y a pas si longtemps, environ 5 ans, moi aussi je jouais au basket. On m'appelait Tom la Tornade. Je me débrouillais pas mal, avec un ballon en main. J'avais une accélération assez puissante. Vous avez sans doute entendu parler de moi. Et un jour, Slim m'a défié de jouer un match sur sa plateforme pétrolière.
Il voulait sûrement se mesurer à quelqu'un de son niveau. Ça a été un match assez tendu avec le recul. Slim s'est défendu comme il a pu. Mais j'étais trop fort, trop rapide pour lui. Et j'ai gagné, 22 à 13. Mais il a été mauvais perdant. Sur le chemin du retour, il m'a abandonné sur cette île. Et ça fait 5 ans que vous êtes là ? 5 ans, 2 mois et 3 jours. J'ai pratiquement tout ce qu'il me faut ici. Au moins, vous, vous avez pu jouer contre Slim. Nous, on va devoir déclarer forfait. Sauf si Tony nous retrouve à temps. Pourquoi attendre Tony ? Prenons mon bateau. Ben oui, il faut bien que j'aille faire quelques courses de temps en temps. Tout le monde à bord. Vous pensez qu'on va tous tenir là-dedans ? Mais bien sûr, quelle question. Tenez-vous bien. Il y a quelques requins qui vivent dans le coin. Encore 5 secondes et ils seront en retard. 5, 4, 3, 2... Prêt pour le match ? Mais comment vous avez fait ? Je leur ai filé un coup de main. On se retrouve enfin, Slim, comme au bon vieux temps. Je vous ai pas trouvé sur l'île, les High-Five. Je me doutais bien que vous seriez ici. Ah, Parker ! Avant le match, les pirates. Ça rafraîchit les idées, pas vrai? Prêt à prendre une raclée, les High-Five? C'est bien, motive-nous, Lucky. Ils ont l'air en forme. Ils ont dû bien se reposer pendant notre petite virée dans la jungle. Ouais, mais ça nous empêchera pas de gagner. Je suis d'accord avec toi. High five ! Toujours en top ! Ouais ! On va pas tarder à le savoir. À l'abordage! On va vous couler! Et un de plus, loser! Commence leur attaque. Oh. Et on sait pas à qui Lucky va passer la balle. Temps mort. Il faut réagir immédiatement, les High Five. Ils vont nous décimer avec cette nouvelle attaque. Je connais cette technique. Slim l'a déjà utilisée contre mon équipe. Comment vous l'aviez contrée? Facile. Comme s'ils allaient trouver une contre-attaque. On est imbattables. Quoi ? Mais c'est de la folie !
En théorie, ça devrait marcher. Eh ben, espérons que ça marche aussi en pratique. Chaque fois qu'il marque 2 points, on en marque 3. Oui, c'est mathématique. Allez, high five! Toujours au top! Ouais, ouais. C'est l'heure de la contre-attaque. Reprenez-vous, bon sang! Vous vous laissez remonter! Fin du match! Ouais, ouais. Allez tous au bateau! On va les laisser trop pirécher! Ils essaient de s'enfuir! Ils veulent nous abandonner ici! Pas de panique! On va rentrer par nos propres moyens. J'ai tout prévu. Trop cool! Un hélicoptère! La classe! On te dépose quelque part, Tom? Sur mon île, s'il vous plaît. J'ai eu ma revanche. C'est tout ce qu'il me fallait. Vous êtes sûr qu'on peut rien faire pour vous remercier? Eh bien, envoyez-moi quelques DVD de temps en temps. Il paraît qu'il y a une super série de basket à la télé. Il nous a piqué le bateau. On est coincé ici. Hé, on dirait que Slim a un problème. Oui, à Slim et à son équipe de goûter aux joies d'être naufragés. On va les laisser mijoter sur leur plateforme pendant quelques jours. Et pourquoi pas pendant 5 ans, hein? Je me vengerai, Parker.